Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Turn out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Bonsoir Trippi, comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Attends, je regarde. Ouais, pas c'est de bon, soucis, ça nickel. Va, ça va super. Alors aujourd'hui, trois Paris Saint-Germain, Trippi, un match important pour ce 11e titre pour les Parisiens, le titre qu'on veut aller chercher, avec une composition qui est un petit peu modifiée par rapport à d'habitude. On va tout de suite y venir parce que le match va commencer dans quelques secondes. Bienvenue à tous sur le live, sur YouTube et sur Twitch. On regardera vos commentaires sur les deux plateformes, donc n'hésitez pas. Salut Caxor, bonsoir Trippi et Arsène, bonsoir à tous. Alors ça bonsoir. Va commencer dans quelques secondes pour ce match. La compo parisienne, Trippi, avec Donnarumma,
Juan Bernat, Danilo, Ramos, Marquinhos, Zaire Emery sur le côté, Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha et devant Mbappé et Kitike. Écoute, c'est une compo par rapport aux disponibilités qu'a aujourd'hui le Paris Saint-Germain, la titularisation des Kitike avec Mbappé devant pour emmener cette attaque. Parce que c'est un match important pour le Paris Saint-Germain, pour à la vue du sur le chemin du 11e titre. Bon, c'est ce qui nous importe aujourd'hui en cette fin de saison, car cet 11e titre est quand même emblématique pour les Parisiens, parce que ça va permettre aux Parisiens d'inscrire un peu plus dans l'histoire française. Alors, il est où Mbappé? Il est dans la compo, Kylian Mbappé. Il est là, Calmos, il est là, tranquille. Tout en bas. Allez, les Parisiens qui ont déjà le contrôle du ballon dans ce stade à 3. Est-ce que tu as déjà joué à 3, toi, Trippi? J'ai déjà joué à 3 lorsque j'évoluais à Brest. Donc, j'ai joué à 3, j'ai joué face à Grand Ngoi, pour les connaisseurs, qui a été formé au Paris Saint-Germain. Donc c'est un stade intéressant. On a vu des grands joueurs aussi. Quand on parle de 3, on pense à Nivet, qui a évolué à 3, qui a été un grand joueur français. Est-ce qu'on est paré sur le temps? Moi, je suis actuellement à 1 minute et 5 secondes. 9, là, 10. J'ai exactement le temps qui est écrit juste au-dessus. Je sais pas si t'as le même temps. Ouais, c'est bon, je suis calé. Parfait. Mais ouais, ce PSG 3 qui s'annonce intéressant aujourd'hui sur le chat. Comment vous sentez ce match? Allez, Juan Bernat, côté gauche, qui va venir centrer. Premier poteau et Kitike qui était pas loin de mettre ce premier but. C'était bon, c'était une bonne action des Parisiens, celui d'entre Mbappé et Bernat, et se sentent dans les 6 mètres. Et Kitike qui la reprend, mais qui ne peut pas cadrer. Après, peut-être qu'il s'est un peu trop fermé l'angle en venant trop couper au premier poteau. Ça une victoire, j'espère, nous dit ND72. Trippi, petite question. Quand tu avais joué justement à 3, est-ce que tu avais gagné? Est-ce que tu t'en souviens? Je pense qu'on a fait. J'ai joué deux fois à 3, deux fois. Je pense qu'on a fait match nul. Et deux fois? Match nul. Ouais, peut-être une fois, je pense qu'on a perdu. Parce que de toute façon, à Brest, on n'était pas très bien déjà. Et une fois on a dû faire match nul. Salut Areski, bienvenue sur le live également sur YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur YouTube, certains qui sont sur Twitch. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à poser des questions également pour participer à ce live. On sera là pour répondre à vos questions. Mauvaise entente là entre Mbappé et Juan Bernat. On aperçoit également Trippi un petit stick là, sur un petit scotch un peu sur la jambe de Mbappé, la cuisse. Je sais plus le terme exact pour ça. Ça s'appelle un K-tape, donc c'est une bande élastique qui permet de maintenir un muscle en cas de douleur. Donc si Mbappé a mis ça, c'est qu'il doit avoir une douleur à la cuisse. Maintenant, nous verrons si c'est sans gravité pour lui. Allez, pour l'instant, on a un PSG très offensif dans ce début de match avec une base d'équipe parisienne très très haute. Hein, dans le camp troyen pour l'instant, Juan Bernat. Avec Vitinha, contrairement à les 3 qui a une équipe très défensive, très très basse actuellement, les Troyens. On va pas se mentir, Trippi, normalement c'est la Ligue 2 hein, pour eux l'année prochaine. C'est dommage, hein, parce que ça reste quand même une bonne ville, 3, une bonne équipe aussi, avec des joueurs intéressants. Maintenant, il faut que le club soit un peu plus serein dans leur manière, dans leur stratégie, dans leur politique. Après, ils ont actuellement 3, ouais. Ils sont actuellement 23 points. Ouais. 3. Déjà, Angers, c'est fini. Angers, c'est fini, mais c'est Ajaccio et 3 où ils sont à 23 points les deux. Et on sait que le maintien va se jouer vers les 38 points faciles. Donc on sait que c'est impossible pour 3 et Ajaccio. Surtout après la défaite de Angers cet après-midi face à Monaco. Là, c'est cuit de chez cuit. Quoi. Alors, voir Zaire Emery en 11 de départ, c'est rafraîchissant, nous dit Kaxor. Salut Pixel également. Zaire Emery qui évolue sur le côté droit aujourd'hui. Piston droit. Marco Verratti. Qui va écarter. Moi, quand je vois PSG 3, Trippi, j'ai à chaque fois cette pensée du 8-0, je crois, avec plein de buts de Zlatan. Peut-être 9-0, oui, je sais plus. Il veut un score de dingue. C'était un grand match, ça. Et Kitike, la balle stoppée par l'arbitre qui va être rendu aux Parisiens. Si tout va bien.
Et attendez le petit pont sur l'arbitre. Ouh, c'est parti vite pour Mbappé en profondeur, la réalisation que n'avait pas suivi. Ouais, malheureusement. Oh, c'était un jeu coquin entre Verratti et Mbappé, là on l'a vu directement. Oh les coquins. Ça se voit en profondeur et après c'est sur son contrôle. Son contrôle il est un peu fuyant, il n'arrive pas à bien l'amortir. Entre la justesse technique de Marco Verratti et la vitesse de Kylian Mbappé, forcément, ça a failli faire mouche. Bon, Trépied, on est obligé de parler un petit peu des matchs de l'après-midi, parce que... Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de sacrés matchs entre hier et cet après-midi. Oui. Notamment du côté de Lyon, où justement, il y a un joueur qui vient de dépasser Kylian Mbappé au classement des buteurs. Et forcément... Il a combien ? Il est passé à 24 ou 23. Je vais te redire ça. Kylian, il a combien ? Kylian, il a 22 ? Je te redis ça tout de suite, mais je crois que c'était... je crois qu'il est à 24 et Mbappé à 23. C'est bien ça. Lacazette, 24 buts. Mbappé, 23 buts. C'était quand même un grand match. Hein. Franchement, pour l'avoir vu, ce Lyon-Montpellier, en termes de buts, c'était quand même impressionnant. Il y a eu 5-4, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec un quadruplé de Wai, le Montpellier-Rhin, et un quadruplé de Lacazette également. Les Lyonnais qui perdaient 4-1 et ont gagné 5-4 à 90e. Ce but à la dernière minute sur penalty de Lacazette. 90 plus 10, c'est assez dingue le scénario. En espérant que ce soit pas aussi stressant aujourd'hui pour les Parisiens. Et pour l'instant, sont dans le camp troyen et prennent leur temps les Parisiens Trippi. Ouais, on essaye de préparer face à un bloc équipe bas. Qui est dans sa moitié de terrain, qui nous attend, qui essaie de sortir sur le temps de passe pour pas nous permettre de pouvoir jouer vers l'avant. Maintenant, ça va être aux Parisiens d'être très mobiles pour déstabiliser cette équipe troyenne. Pour déstabiliser cette équipe troyenne et être juste techniquement, là, on l'a vu avec cette perte de balle de Vitinha qui a voulu transmettre ce ballon sur le côté droit à Wanzai Emery. Donc faudra aussi être patient, ne pas se précipiter et profiter de ces pertes de balles. Vas-y mon gamin. Allez, Fabien Ruiz, côté droit avec Vitinha, le centre second poteau qui est dévié sur la barre et finalement le but de Mbappé. Qui s'est passé ici ? Que s'est-il passé ? Le centre dévié sur la barre et au final c'est arrivé au second poteau sur le renard des surfaces, Kylian Mbappé. Il aura ton trophée, mais comme on a dit, on est en train d'expliquer à l'instant comment il fallait fonctionner face à 3 et sur une récupération du ballon, on arrive à trouver sur le côté Vitinha ce centre contré qui termine sur la barre et c'est Mbappé qui est devant le but. Il n'a plus qu'à pousser ce ballon de la tête. Ah, mais là, c'est voilà, une offrande. Pas décisif de la barre. C'est une offrande. Moi, Trippi, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec l'effet d'optique un peu de la caméra. Franchement, c'est un but. Tu essaies de le reproduire. Je pense qu'il te faut 1000 tentatives. Le centre, il est contré par. Palmer, il est contré, donc c'est pour ça que le ballon après a cette trajectoire qui va sur la barre et ça revient sur Kylian par rapport à l'effet. Mais surtout sur l'occasion qui emmène le but, cette récupération du ballon qui est importante parce qu'on voit que bien sûr qu'à un moment donné, nous on a le ballon, mais l'adversaire aussi va avoir le ballon et c'est là qu'il faudra, nous, dans l'animation défensive, pouvoir récupérer le ballon très vite. C'est ce que les Parisiens ont fait et ça fait 1-0. Mais maintenant, faut pas relâcher. Il faut continuer. Ouais, ce but, il est important. On le sait que, justement, au classement, il nous faut le plus de points possible pour se mettre dans la meilleure position possible pour aller chercher ce 11e titre qu'on espère tous. Et également, au niveau du classement des buteurs, Kylian Mbappé qui rattrape Alexandre Lacazette. 24 buts pour les deux attaquants français. Après, Jonathan David, il a 22 et... 21. Et Loïs Openda. Ah, Openda. Openda 19, ouais. Et Balogun, il en a combien ? Balogun et Diallo, 18. Et Wai, qui est passé à 17, juste derrière, avec Terem Moffi. Ah ouais. Donnarumma. Il va dégager. Voilà, merci Dodo, c'est mieux. Superbe remise, là, de Kylian Mbappé. Pour Fabian Ruiz. Mbappé qui fait le jeu, il se mieux de terrain. Marco Verratti. À droite, avec Vitinha, qui a un peu d'espace. Il est assez libre, la Vitinha, pour servir Warren Zeremri. Le titi dans la surface, le crochet, Zeremri. La petite talonnade, Vitinha. Ça construit dans les petits périmètres.
Avec Verratti. On repart à droite. Zaire Emery, Marquinhos. C'est propre, hein, techniquement, pour l'instant, ce qu'ils nous font les Parisiens. Et Kitike, le centre, second poteau. Un peu compliqué, il n'y a pas trop dommage. De... Ouais, pas trop dommage, de présence. Ça reste dans les pieds parisiens. C'est dommage, on a vu, on a essayé d'avoir un beau mouvement sur le côté droit. Allez, on va tout tranquillement reprendre la possession de ce ballon. Et également, Trippier, cette victoire de Lens hier fait plaisir aux Parisiens parce que, voilà, si Marseille est gagné, déjà on avait... Oh, attention, avec Itiqué, il voit sa frappe contrée, ça revient. La frappe contrée, une fois de plus, de Fabian Ruiz. C'est dégagé par la défense troyenne. Je disais que, du coup, Marseille, s'il gagnait, il pourrait revenir à chaque fois à 2 points de Paris, voire 5 points si on gagne. Alors que là, Lens maintenant, si on gagne, ils sont à 6 points. Donc forcément, un point de différence, ça fait quand même une grosse différence tout de même. Ça veut dire qu'après, il reste 3... après ça, il reste 3 matchs, c'est ça? Après ce match face à 3. Il reste 4 matchs. 4 matchs après ce match-là? 4 matchs, 2 victoires, et c'est fini. Après, faut faire les 2 victoires, mais c'est sûr d'avoir cette avance, ça permet d'avoir un avantage psychologique. Plus l'avance également au goal average qui est conséquente pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je dis 2 victoires. Parce que ouais, si le PSG gagne que 2 victoires et que Lens, par exemple, gagne tous ses matchs, on serait à égalité avec Lens. Mais le PSG a une très grande différence de but. Donc, c'est comme s'ils avaient 3 victoires d'avance. Ouais, parce que pour faire un parallèle, aujourd'hui, il y avait un match équipe de PSG U19 dans la phase élite. Qui ont joué, on va dire, les playoffs. Et ce match-là, c'était le dernier match face à Lyon, face au U19 féminine de Lyon. Les Parisiennes étaient premières à 2 points de Lyon et elles ont perdu aujourd'hui. Donc elles ne seront pas championnes. Donc c'est vrai, quand je parlais de l'aspect psychologique, c'est là, c'est quand on est devant avec peu de points et qu'on a derrière une équipe intéressante de Lyon. Là, on revoit le but. Une équipe intéressante de Lyon, parce que l'académie travaille bien aussi là-bas. Bah, psychologiquement, il y a un... C'est pas pareil. T'as une équipe qui est un peu plus conquérante parce qu'elle a envie de passer devant et t'en as une qui est un petit peu entre les deux, qui veut pas perdre, mais en même temps pas se découvrir, pas jouer. Mais c'est dommage, c'était une bonne aventure pour ces Parisiennes-là. Bon, voilà la petite parenthèse. Voilà. Ouais, petite parenthèse que je poursuis avec malheureusement le match nul des féminines aujourd'hui contre le Paris FC, donc qui laisse un petit peu s'échapper l'OL en D1 Arkema. Et au niveau du hand, par contre, les Parisiens qui continuent leur belle série, qui sont premiers actuellement du classement Liquid Moly Star League, et également pour les féminines, il y a la finale de Coupe de France dimanche prochain, PSG-OL. Donc c'est un titre qu'on espère pour les Parisiennes dimanche prochain. Allez, Marco Verratti. La passe dans l'axe, magnifique. Pour Ekitike, Vitinha. Vitinha que je sens avec beaucoup d'espace aujourd'hui. Je le trouve assez libre. Ouais, et surtout, il combine très bien sur le côté avec Zaïre Emery. Allez, Marco Verratti. On va retrouver dans l'axe du terrain. Verratti qui a trouvé une solution. Il va écarter à droite avec Vitinha. Le PSG qui est devant la surface troyenne. Et qui tique. Marco Verratti, quelle couverture de balle exceptionnelle. Danilo. Juan Bernat, la passe dans l'intervalle avec Fabian Ruiz, le petit crochet de Juan Bernat, c'est passé, Juanito avec Mbappé, Kitike, Mbappé, Verratti, ça combine très rapidement, c'est très propre ce qu'ils nous font les Parisiens, et malheureusement, mauvais contrôle d'Mbappé, mais c'est récupéré rapidement, Danilo Pereira. Merci, oh Danilo, la bataille. Ouais, je croyais tirer moi aussi, je m'attendais à un tir pareil, Zaïre Emery, allez Marco, il y a de l'espace là, le centre, second poteau, Mbappé la tête. Malheureusement, il a pas réussi à bien la remettre. Il a pas travaillé les abdos. Ah, ce bon appel de balle, ce micro-appel de balle de Mbappé pour sortir du marquage. Dommage qu'il n'arrive pas à bien frapper ce ballon. Compliqué aussi parce qu'il est, il reprend ce ballon alors qu'il est en l'air un peu en arrière, en reculant. Le jeu est arrêté pour l'instant. Qui est blessé? Non, il y a des fumigènes qui sont sur le bord de la pelouse. Donc forcément, faut s'en occuper. Avant que ça n'abîme la pelouse, Trippy. Exactement. Ça va pas l'abîmer, mais
pas, mais voilà, ça perturbe un petit peu le match. Pour l'instant, Trippi, petit résumé de ces 15 premières minutes. Très bon début de match du Paris Saint-Germain qui n'a concédé aucune action et qui pour l'instant a été réaliste. Hein. Il y a eu une vraie action qui est concrétisée, donc 1-0 pour le PSG pour l'instant. Ouais, une bonne entame de match du Paris Saint-Germain. On les a vus très haut dans la partie, dans le bloc adverse, ce qui leur a permis de marquer ce premier but sur une bonne récupération et une bonne transition offensive. Maintenant, le plus dur reste à faire car il n'y a que 1-0. Et on sait que dans un match, il ne faut pas se relâcher, essayer de trouver d'autres cheminements pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe troyenne. Et surtout, le match est très important et très capital pour les Parisiens pour prendre de l'avance en championnat. D'ailleurs, on va se remontrer ensemble le classement du championnat, le classement actualisé. Vous le voyez actuellement avec le PSG qui a 78 points et les Lensois 72, Marseille 70. Monaco 64. Donc voilà, 6 points d'avance pour l'instant pour les Parisiens, sachant qu'il reste actuellement 4 journées, plus une différence de but qui est de 43 à 31. Donc vraiment le PSG qui est largement au-dessus en différence de but. Il suffirait d'avoir maintenant la victoire d'aujourd'hui, puis 2 victoires sur les 4 prochains matchs, et le PSG devrait être champion. Bon, le mieux c'est d'avoir 4 victoires sur 4. Ah bah oui. Oui, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de points. Et puis de terminer sur des victoires. Allez, je vous remets les statistiques pendant ce temps. Pour l'instant, largement dominé par le Paris Saint-Germain. 17 attaques à 0. C'est vrai que les Troyens, on les a pas vus encore tripier dans le camp parisien. Et tant mieux. Le jeu qui est reparti, avec toujours un bon pressing parisien ici au milieu de terrain. Je disais que les Troyens, on les a pas vus, mais attention parce qu'il peut suffire d'une action. Le football, ça va très vite. Exactement, et là, c'est une... Heureusement, bien. Oh. C'est récupéré ce ballon par Juan Bernat. Grâce à Marquinhos, ça va repartir. La faute sur Marco Verratti. C'est sifflé. Faute de Chavalerin. Numéro 24, Troyen. Zeremri, sur le côté. Avec Ekitike. La fin de corps. Verratti. Danilo. Fabien Ruiz, qui est trouvé. On repart à gauche avec Juan Bernat. Collé à la ligne. Il va retrouver Marco Verratti. Puis Sergio Ramos, qui est monté. La frappe de Sergio Ramos. C'est pas très très loin. Cette frappe, ce missile de Sergio Ramos. Oh, elle est passée loin. Ça passe à un bon mètre, mais voilà. Avec la caméra, elle partait quand même très très bien. Elle est bien partie, cette frappe. La puissance et la hauteur, c'était parfait. Malheureusement, il manquait que la trajectoire qui était légèrement sur le côté. Un petit mètre sur le côté, on va dire. Mais il est capable de tout, hein. Sergio Ramos, lui qui a marqué... plus de 100 buts. Et puis, petit pronostic sur le nombre de buts marqués dans la carrière. Sergio Ramos, combien de buts a-t-il marqué dans sa carrière? Moi, je dirais... Il en a marqué... Attends, je l'ai vu passer. Il en a marqué... Ouais, plus... ouais, il en a marqué plus de... Plus de 100. Entre 110 et 120, si je dis... Ou... Attends. Ouais, moi, j'aurais dit 132. Ouais, en tout cas, il est beaucoup plus. Attends, monsieur 90 plus... Allez, dis-nous une stat comme ça au hasard. Regarde, moi, je dirais 132. Moi, je dis 126. Sergio Ramos qui a marqué. Alors, 2 buts avec Séville Atlético, 3 buts avec Séville FC, 5 buts, 101 buts avec le Real, en tout 106. La frappe d'Ekitike qui ne donnera rien. 5 buts avec le PSG, ce qui fait 111, plus 23 buts avec l'Espagne, donc 134. J'ai dit 132. J'étais pas loin. 132. T'imagines un défenseur qui marque 132 buts quand même. J'étais vraiment pas loin, hein. À 2 buts près. Entre les... Parce qu'il y a les pénaltys et les... Ouais, c'est énorme. Et les buts... Les buts de la tête. Ah ouais, les buts de la tête, on s'en souvient. C'est vrai qu'il y a un moment, il tirait souvent les pénaltys, il les tire très très bien d'ailleurs. Mbappé. Ah, dommage. Il passera pas sur le côté ici.
La balle récupérée par les Troyens et tout de suite le pressing défensif parisien mis en place. Marquinhos également qui est pas mal en termes de butant. Je vais te dire la stat, mais Marquis, c'était pas mal du tout aussi. Ouais. Alors, Marquinhos qui est déjà à 38 buts avec le PSG. Un but avec le Brésil moins de 20 ans. Avec le Brésil olympique, 2 buts et 5 avec le Brésil normal. Donc en tout, 46 buts déjà pour Marquinhos. Je pense pas qu'il atteindra les stats de Sergio Ramos, mais marquer 46 buts en défenseur central, c'est très solide. C'est bien joué cette passe. Allez, faut aller vers l'avant. Fabien Ruiz. Ah. Côté gauche, on va retrouver Juan Bernat, puis Kylian Mbappé qui a un peu d'espace. Il s'oriente face au jeu, face au cage. La frappe de Fabien Ruiz, déviée par le gardien. Ce sera un corner pour les Parisiens. C'est bien joué quand même. On avait perdu ce temps d'avance, mais on l'a récupéré grâce à la conduite de balle vivace de Mbappé pour trouver à Fabien Ruiz dans l'arc de la surface. Le corner pour les Parisiens. Sergio Ramos et Marquinhos qui sont montés. Pourquoi pas un petit but sur corner, Trippi? On a fait leur louange. C'est le moment. Écoute, c'est ce qu'on attend. Hein. Allez, ça va être tiré par Ben Ruiz ou Vitinha. L'arbitre qui attend quelque chose avant que ça joue. Allez, c'est parti. Le corner qui sera tiré par Vitinha. Premier poteau, tête de Danilo, ça passera juste au-dessus. On a parlé de Ramos, on a parlé de Marquinhos, mais pas de Danilo qui marque des buts également. Ça passe légèrement au-dessus en plus. Hein. Très belle tête. Allez, Troyens, sur le côté gauche. Et pour l'instant, n'inquiète pas du tout les Parisiens. Et tant mieux. Mais c'est rare, Trippi, je pense, en 25 minutes presque, de voir une équipe qui n'a pas fait un seul tir. Il y a eu une seule attaque contre le Paris Saint-Germain. C'est que ça défend bien également côté parisien. Ouais, ça défend bien. Après, on arrive à faire les retours très rapides. Là, on voit encore ce retour d'Ekitike, même si bien qu'il fasse faute. Sur Audobert. Un ancien parisien. Ouais, on en avait parlé, je crois, au match aller, c'est pas ça? Ouais. Wilson Audobert. 30 matchs avec les Stags pour l'instant et déjà 4 buts. Pour ce jeune de 18 ans, formé au PSG. Elle va le récupérer par les Parisiens. T'as une tentative d'attaque troyenne. Il était bien stoppé. Mbappé, côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire, Kylian Mbappé? Le crochet, face à deux joueurs. Il revient dans l'axe. Il va trouver Marquinhos au milieu de terrain. Et les Parisiens qui vont tranquillement se remettre à construire, prendre leur temps, écarter ce bloc troyen et attendre une ouverture. Mais le plus important, c'est de mettre ce premier but et ils l'ont fait pour l'instant, les Parisiens. Maintenant, si on arrive à doubler la mise, Trippi, après, la tâche serait un peu plus simple. Allez, Sergio Ramos. Avec Fabien Ruiz. Mbappé sur le côté. Fabien Ruiz, Verratti. Ça combine rapidement. Marco Verratti qui est face au jeu. Il va centrer second poteau. Ça va revenir ce ballon. Avec Zaire Emery. Bizarre ce hors-jeu, non? Ouais. Je l'ai pas vu, moi, ce hors-jeu.
L'œil de Trippin ne l'a pas vu non plus, ce hors-jeu. Ce hors-jeu de Warren. Il faudrait mettre quand même ce deuxième but là. Et un bisou alors qui regarde le live, bien sûr, nous dit Sebzinho. Bah peut-être, hein. Oh, qui sait. Peut-être qu'on va bientôt se retrouver en plus au parc, non? La semaine prochaine, il me semble. Ouais, possible. La semaine prochaine contre Ajaccio, si je me trompe pas. On a une petite faute là, parisienne, il me semble. Rudy Buquet à l'arbitrage, un arbitre qui met beaucoup de cartons, Trippi. Ouais. C'est pour toi. Non, là, il est tranquille là. Pour l'instant, ça va, ça va. C'est pas mal. Mbappé. La passe surpuissante de Fabien Ruiz. Ah, il est pas les deux côtés. Bien contrôlé. La talonnade pour retrouver Verratti dans le cœur du jeu. Il écarte à droite avec Marquinhos. Il va écarter vers Zeremri en piston droit. Zeremri qui va revenir dans l'axe. Les Parisiens installés hein, devant le bloc croyen. Quel centre, deuxième poteau. Ah, il est Juan pas Bernat qui pourra pas. Ouais. Trouver quelqu'un en retrait, mais c'est récupéré. Rapidement, Fabien Ruiz. La frappe pied gauche, détournée par le gardien troyen. Et corner pour le Paris Saint-Germain. Il tente, hein, Fabien Ruiz, aujourd'hui. Ouais, ouais, encore une fois, très bien. Il a su récupérer ce ballon et s'emmener directement vers la surface et tenter sa chance du gauche. Ah, belle frappe, ça. On sait qu'il a une bonne frappe. Allez, le corner pour les Parisiens. Pourquoi pas doubler la mise sur coup de pied arrêté, sur corner. Ce serait pas mal. On a dit qu'il y avait de la taille entre Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos. Et Kitike également qui est grand. Le corner qui ne donnera rien. Le ballon qui va revenir dans les pieds parisiens. En retrait. Avec Zeremri. Danilo, Juan Bernat, un petit deuxième avant la pause, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il faut vraiment les attirer pour pouvoir les prendre à revers. Ben Ruiz, super passe trouvée dans l'intervalle, malheureusement derrière c'était compliqué de la garder. Et les Parisiens derrière qui vont se battre pour récupérer ce ballon. Ouh, c'est sorti par les Troyens dans une petite zone. Et très bien sorti. Attention à bien défendre, bien couvrir. La bonne défense des Parisiens. Ça revient ce ballon de Donnarumma. C'est dévié. Il y a un joueur Troyen qui est resté au sol. Attention, là, on s'est fait prendre en déviation. Baldé hein, qui est resté au sol. En espérant qu'il n'y ait pas de pénalty. Il y a le retour de. Peut-être la sortie de Donnarumma aussi. Hein. Là, c'est le retour de Wayne et Zemri. Non, il n'y a pas de pénalty. C'est la sortie de Donnarumma qui prend la balle. Et après, il rentre dans Donnarumma, donc il n'y a rien du tout. Attention. Non. Il n'y a rien, c'est après qu'il tombe. Ouf, Zemri qui s'est pris les crampons après du joueur dans le dos. Mais tout va bien. On a eu chaud là. On l'a dit, Trippi, il n'y a pas eu d'occasion troyenne. Il y en a suffi une seule, et on a eu très très chaud. C'est toi qui bug. Non, c'est bon. Ah, t'as bugué un petit peu. Je te disais que justement, il n'y avait pas eu d'occasion de troyenne. Il y en a suffi d'une seule, et on s'est fait peur. Ouais, on s'est fait peur sur une bonne déviation. Ils ont pu transpercer nos deux lignes offensives. Allez, Sergio Ramos. Avec Mbappé qui a décroché. Danilo. On va écarter. Avec Marquinhos. 30 minutes de jeu à peu près pour l'instant. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Kylian Mbappé. À la 8ème minute de jeu. Sur un centre de Vitinha, dévié, qui a fini sur la barre transversale et qui ensuite
a atterri devant Kylian Mbappé, qui n'avait plus qu'à mettre sa tête. C'était un peu un cadeau venu du ciel, ce but pour Kylian Mbappé. C'est sûr que la Trépied, c'est compliqué à défendre ce genre d'action. C'est compliqué parce qu'on sait pas où, on sait pas où va tomber le ballon. Ah, c'est un peu du hasard. Hein. Après, dans le hasard, il y a toujours une part de réussite et Mbappé était placé au bon endroit. Et ça, c'est pas du hasard, Trippi. Exactement. Verratti. Entrée de surface. Quel sens, second poteau. Chercher Kitike. C'est intercepté par Gallon. Gardien troyen. Les Troyens qui vont pouvoir repartir avec Adil Rami, le capitaine de cette équipe troyenne. Rami dans l'axe pour ressortir. Attention à ne pas les laisser progresser. Pour l'instant, le PSG qui faisait une demi-heure défensivement très sérieuse n'a concédé qu'une seule occasion. Donc continuer à être en place défensivement. Zaire Emery sur le côté qui vient défendre. Il fait des efforts, le petit parisien. C'est dingue, hein, pour le mettre à n'importe quel poste, Zaire Emery, c'est toujours efficace. Oui, il donne satisfaction pour le moment dans cette première période. Verratti. Avec Mbappé. La passe contrée, mais ça revient sur Kylian Mbappé. Lancé à pleine vitesse, Kylian Mbappé, il y va tout seul. Il est passé Mbappé. Ouh, il cherche une petite faute derrière, mais il n'y aura rien. Il estimait avoir le maillot un peu tiré. Mais il nous avait fait un déboulé encore une fois à 400 km/h ici. Je sais pas si Trippi l'aurait attrapé. Je suis pas sûr, là, il serait parti. Hein. J'aurais vu que son numéro, son nom derrière. J'aurais été spectateur de l'action. Moi, je me serais blessé. Genre une crampe et un claquage. Les Troyens qui ont le contrôle du ballon ici. Dans le camp parisien, ils avaient du mal dans les 30 premières minutes à s'installer dans le camp parisien. Et là, on les sent un peu plus haut. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose ou c'est le système qui a changé ou le pressing parisien qui est un peu moins haut. Mais pour l'instant, les Troyens, bon, c'est pas très dangereux, mais c'est un peu plus haut. Salut Amir, bienvenue. Pourquoi il n'a pas tiré? Ah, il a essayé de faire le grand pont et après de tirer, mais c'est compliqué, on voit cette situation. Verratti. Ah, c'est bien joué. Verratti, toujours propre, toujours clean ce qu'il nous fait ici. Et on revient derrière avec Marquinhos. Il faut qu'on mette un peu plus de gaz là, pour pas qu'on se fasse punir après. Verratti. Fabien Ruiz. On va repartir vers Sergio Ramos. Vitinha. Côté droit. Avec Zaire Emery. En piston droit. On repart avec Vitinha. Ça combine entre les deux joueurs. On va repartir du côté gauche. Danilo. À droite avec Marquinhos. On insiste sur le côté droit. Zaire Emery, Vitinha, ça combine bien. La passe à 10 là pour l'instant pour les Parisiens qui font tourner ce ballon, qui attendent une ouverture. Il est où Hakimi, nous dit Astrid sur le chat. Ouais. Malheureusement suspendu avec son carton rouge la semaine dernière. La passe de Verratti pour Mbappé dans la surface. Le centre contré par Adil Rami et corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, j'aime bien ces trois ballons que Verratti a mis à Mbappé dans la surface parce que on a vu les Troyens très regroupés dans l'axe. En protégeant leur but et d'avoir ces petits micros appels et ces petits bonbons pour déstabiliser cette équipe. Là, on revoit l'accélération. Ouais, Adil Rami sur le grand pont là, il l'aurait pas rattrapé. Le corner pour les Parisiens. Allez, sur corner, ce serait top de doubler la mise. C'est tiré, point de pénalty, une tête troyenne. Bien dévié ce ballon. Ça revient dans les pieds parisiens.
Hakimi suspendu. Hein. Aujourd'hui, il me demande sur le chat. Il a eu un carton rouge la semaine passée. Et Nuno Mendes également s'était blessé, donc il n'est pas disponible. Allez, côté gauche. Juan Bernat. Avec Fabien Ruiz. Mbappé. Sergio Ramos. Les Parisiens qui font tourner tranquillement ce ballon dans ce match. On doit avoir un nombre de passes record là, Trippier, aujourd'hui. Hein. Exactement. Extérieur de Mbappé, ça ne passera pas. Ça va être très vite récupéré par Marco Verratti. L'intenable Marco Verratti au milieu de terrain. Qui s'amuse au milieu de terrain ici, à droite. Avec Marquinhos. Zaire Emery qui va revenir vers Marco Verratti. Pas de prise de risque pour l'instant. On retrouve Fabian Ruiz. Et on continue à faire tourner ce ballon. J'aimerais bien avoir la stat de passe du Paris Saint-Germain, mais elle doit être assez solide pour l'instant. Moi, je l'ai vu là sur le ouais. Radar, on est vers les 350 passes déjà. Ah déjà ? Punaise. 320 passes, mais c'est pas à jour. Là, on a déjà fait 30, donc ouais, on est déjà à 350 passes, je pense. Verratti, le centre, second poteau, le retourné de Mbappé qui ne passera pas, ça revient, et qui tique. Danilo qui va tenter, la frappe contrée, et le pressing haut des Parisiens, pour essayer de récupérer ce ballon, ça va être récupéré par Danilo. Ah, c'est très propre ce qu'ils nous font les Parisiens, qui sont très hauts à chaque fois, récupération de balle très très haut sur le terrain, on en parlait très bien, vraiment pour l'instant C'est top ce qu'ils nous font la récupération les Parisiens aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant. Verratti. À droite avec Marquinhos. Zaire Emery, le petit centre. Magnifique vers Vitinha. Vitinha qui a tenté un geste acrobatique, mais c'était un peu compliqué ce qu'il nous a tenté ici. Un espèce de centre-passe. Centre-tir, pardon. On n'a pas trop su ce qu'il a voulu faire ici. Et la balle a été récupérée aussi vite par les Parisiens, mais c'est une attaque-défense là ce qui se passe. Danilo. Avec Verratti. Les Parisiens entrée de surface. Ils vont faire circuler ce ballon une fois de plus. Fabien Ruiz. Avec Marco Verratti. Verratti qui a trouvé une belle ouverture vers Zaire Emery. On va retrouver Vitinha. Ça bouge pas mal dans les rangs parisiens. Il y a beaucoup d'intensité de course. Ah ouais, c'est... Il y a beaucoup c'est de déplacements. Chaud, j'aime bien les déplacements proposés par les parisiens parce que c'est pas statique là ce qu'ils nous proposent actuellement, Trippi. Et il y a pas mal de solutions à chaque fois. Et ça se voit parce qu'on perd pas la balle. Juan Bernat, côté gauche. Bernat dans la surface. Les Parisiens, vraiment, sont en train d'étouffer les Troyens. Mbappé avec Vitinha. Juan Bernat dans la surface. Faut tirer, messieurs. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Ah ouais, ils veulent rentrer dans, c'est grave. Dans la surface troyenne. Mais les gars, au bout d'un moment, quand on est en ligne de mire, là, faut tirer. Frappe de Verratti. Oh de 30 mètres, qui ne donnera rien. Ouais, il a dû se dire, Marco. Mais pourquoi ils ont pas tiré? Et du coup, il s'est dit, allez, j'y vais. Je pense qu'il s'est cru au basket, il s'est dit, attends, il y a le time's up là. Il y a le time out, il faut que je tire direct là. Ouais, les 24 secondes étaient écoulées depuis, dit, on est, depuis au moins 10 minutes. On est sur face 2-3 fois. Mais en tout cas, on revoit ce centre et ce retour. Ouf. Elle passe pas loin. On va retourner. Et la balle qui est déjà récupérée, Trippier. La réalisation qui n'a même pas le temps de nous montrer une offensive troyenne. Puis la balle est récupérée par les Parisiens. On va finir la mi-temps à plus de 450 passes si ça continue. Mbappé, trouver second poteau dans la surface. Juan Bernat, contré. Mbappé dans la surface, la frappe. Bien filé juste à côté du petit filet du gardien. Ah, langue, parce que son contrôle, il aurait pu le faire plus long, mais il y a aussi Adil Rami qui sort, donc il se précipite un petit peu, le ballon qui lui reste... Qui reste sur son pied d'appui.
Et derrière, il ne peut pas cadrer cette frappe. C'était une bonne occasion encore des Parisiens. Doublé Kylian, nous dit Carmiono. Écoute, c'est possible. Hein. Mbappé qui est meilleur buteur du championnat. À égalité avec Lacazette maintenant. Et on sait tous que il va le vouloir ce trophée. Donc s'il peut le dépasser en mettant un petit but, ce serait top. Allez, il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Mbappé buteur à la 8ème minute pour l'instant. Un PSG qui est en train d'étouffer les Troyens depuis 10 bonnes minutes ici. Une première mi-temps très appliquée. Il y a eu peut-être 5 minutes un peu moins intensives en termes de pressing. Mais sinon, on a vraiment 35 minutes pour l'instant plus qu'intéressantes de la part des Parisiens. Attention. Attention parce qu'il suffit d'une minute parfois et il faut se prendre un but. La balle récupérée par Zeremri. La relance. Côté gauche. Côté droit, pardon. Oh, c'est dommage. Là, on a manqué. J'aurais préféré qu'il fasse une déviation. Et la balle de retour dans les pieds troyens. J'ai hâte de revoir la stat de passe. On est à 400 passes actuellement, Trippi. D'après le petit radar Opta, qui je pense n'est même pas encore à jour à chaque fois. 400 passes en une mi-temps. Je sais pas c'est quoi le record de passes, mais... Comment je sers City ou Barcelone? Ouais, c'est sûr. Je vais te trouver ça. En tout cas, obligé, il y a un club espagnol dedans. Record de passes dans un match de Ligue des Champions, je crois que c'est le Barça en 2016, 993 passes. Ouais. Donc là, on est sur des... Ouais, bah ouais. On est sur des stats qui ont l'air un peu similaires. Ça dépend, faut attendre la deuxième mi-temps, parce que ça sera peut-être pas la même dynamique. Après, c'est les stats en Ligue des Champions là que j'ai trouvé. En Liga, c'est peut-être plus élevé. Le dernier match à plus de 1000 passes du Barça, c'était... Oh, attention, l'action troyenne déviée là par Sergio Ramos. C'était face à Grenade. 1005 passes, Trippi. Ah ouais. C'est bien défendu de la part de Sergio Ramos, qui a indiqué à Donnarumma de ne pas sortir, car il était en 1 contre 1 face à l'attaquant troyen. Je vais mettre de la lumière après. Mets-nous un peu de lumière. Ouais, comment ça? J'attends la mi-temps. Sinon, je me mets dans le noir, moi aussi. Comme ça. Ouais, ça va. Non, j'ai encore un peu de lumière. Trop de lumière ici. Allez, le corner pour les Troyens. Bien défendre. Ce ballon qui passe un peu à travers tout le monde. Et Kitike qui parvient à dégager ce ballon en touche. Pour faire respirer un peu ce bloc parisien. Il va rester 2 petites minutes dans cette première période. Marquinhos qui intervient en défense. Zeremri qui voit sa passe déviée ici. Et finalement, la balle qui était sortie, c'est un corner, je pense. Ah bon? Je crois que c'est un corner. Elle était sortie avant la relance de Warren Zeremri. Attention à pas concéder de but sur corner. Les Troyens qui n'ont pas été très dangereux, mais il suffit d'une action. Ils ont eu une action très dangereuse. On s'est fait un petit peu peur tout à l'heure, mais là, pour l'instant, ça va. Le corner troyen, premier poteau, tête de Marco Verratti. Ça revient. Second poteau, le centre troyen. La tête et la parade de Donnarumma. Oh là là, on commence à souffrir là. On en parlait, hein, suffit d'une action. Et là, ouais. Les Troyens ont réussi à porter le danger. Une super tête là, de Baldé. Numéro 7 troyen. T'es pas loin de venir égaliser, mais on a une super parade de Donnarumma. C'est bien étendu. Quel gardien, dit Joe. Cette année, dit Joe, il nous fait des sauvetages plus qu'importants. Je me souviens d'un match où justement il nous a ramené les 3 points à lui tout seul.
Face à Nice, c'était intéressant, ouais, face à voilà. Nice aussi. Face à Nice, c'était assez dingue. Le deuxième corner troyen qui ne donnera rien, ça revient ce ballon. Oh. C'est dégagé par Zeremri au final. 45e minute. Et on a 2 minutes supplémentaires dans cette première mi-temps. Ouais, quand même. Ouais, j'ai pas trop le vu d'arrêt de jeu pourtant. Ah, c'est pour les fumigènes au début. Ouais. J'avais oublié, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop d'arrêt de jeu et au final, il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu au début avec les fumigènes. Donc 2 minutes supplémentaires dans cette première mi-temps. Pour la seconde mi-temps, le banc parisien, on a Sergio Rico, Renato Sanchez, Carlos Soler, El Shaddai Bichabu, Serif Naga, Ismaël Garbi, Ilyes Housni et Alexandre Letellier. Ça m'intéresse. Le petit Serif Naga que je n'ai jamais vu jouer. Tu l'as vu jouer toi, je pense, en jeune peut-être? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer. Non, pas encore. Petite faute parisienne ici au milieu de terrain. Les Parisiens qui ont relâché un petit peu l'intensité et le pressing qu'ils ont effectué pendant cette première mi-temps. Allez, sur les 45 minutes, Trippi, il y a allez, plus de 35 minutes très 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 intéressantes. Oh, attention, le tac très dangereux là sur Sergio Ramos. Ce sera un carton jaune. Le carton jaune pour Baldé. Trippi, ce qu'on va retenir cette première mi-temps, ouais, c'est un travail défensif très solide pendant 35 minutes de la part des Parisiens, bien concentrés. Après, maintenant, ce qu'on espère, c'est un peu plus de réalisme devant les cages, un peu plus de tirs également. Parce que on a certes quelques tirs, mais parfois on fait trop de passes et on aimerait un peu plus de tirs. 11 tirs pour l'instant pour le Ouais. PSG, 5 cadrés et 0 tir côté Troyen, 0 cadré, forcément. Ah, si, écrit, attendez, j'ai pas la bonne stat. Si, 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 il y a la tête, il y a la tête et y a, pardon. J'avais pas les bonnes stats. 16 tirs pour le PSG, 6 cadrés. Et 4 côté Troyen, 2 cadrés. Voilà, mi-temps de ce match pour l'instant, Trippi. Petit débrief rapide. Écoute, une bonne entame de match des Parisiens qui ont su mettre ce but libérateur pour nous permettre après derrière de pouvoir essayer d'augmenter la cadence. Mais on a un petit peu après baissé en intensité car Troyes a commencé à avoir un peu plus ce ballon, un peu plus des opportunités. Et c'est vrai qu'en fin de première période, Troyes a eu des occasions que Donnarumma a su arrêter au bon moment pour maintenir les Parisiens. Maintenant, sur cette deuxième période, il faudra faire attention, continuer à garder le ballon, prendre plus vite des décisions quand on arrive dans la surface, car on a vu à certains moments où on avait du mal à prendre cette décision ou à terminer les actions. Et si on ne termine pas les actions, on est un peu sensible à la transition défensive. Donc il faudra faire attention à ça. Terminer un peu ses actions pour bien sûr se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Pour l'instant, 1-0 grâce à Kylian Mbappé à la 8e minute qui rejoint donc Alexandre Lacazette au classement des buteurs. 24 buts à son actif. Il est temps pour nous de faire également une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour cette seconde période de cette 34e journée de Ligue 1. A tout de suite. Tout de suite.
skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast.
skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast.
Et nous sommes de retour pour cette seconde période entre 3 et le Paris Saint-Germain. Trippi, petite pause pour se désaltérer un petit peu, pour se remettre en forme, pour bien s'installer pour cette deuxième mi-temps. Et avec de la lumière, bien entendu. Avec de la lumière pour Trippi. Allez, pour l'instant... Il y a du soleil. Ouais, forcément, on est un peu en lumière au fil de la journée. Pour l'instant, première mi-temps... 1-0 grâce à Kylian Mbappé à la 8ème minute de jeu. Le PSG qui a eu pas mal d'occasions, 15 tirs, 6 cadrés, 66% de possession et 404 passes en une mi-temps. Le PSG qui a bien fait tourner ce ballon, mais qui n'a pas encore 2 buts d'avance. Et quand on aura 2 buts, on pourra respirer un petit peu plus. Maintenant, ce qu'il faut chercher, Trippi, c'est un deuxième but. Ah, c'est ce deuxième but qui va nous faire du... qui va nous faire du bien, mais ça restera quand même un score traître, parce que à 2-0, on sait que il suffit que l'adversaire mette un but et que ça les réveille. Donc mettre deux buts pour nous mettre déjà à l'abri, et après derrière dérouler. Quand je parle de dérouler, c'est d'être beaucoup plus serein, d'autre manière d'aborder cette deuxième période. On est reparti cette seconde période. Daniel Pereira avec le ballon. Les Parisiens qui ont effectué une première période vraiment pleine de maîtrise, surtout défensive. On a effectué beaucoup de retours défensifs et du coup on a concédé très peu d'occasions de la part des Troyens. Les Troyens qui n'ont pas mis trop mis en danger les Parisiens. Il y a eu une tête de Baldé qui était intéressante, mais sinon à part ça, Donnarumma qui n'a pas été trop inquiété. Et quand il l'a été, il a répondu présent. Allez, Marquinhos. Vous pensez qu'il y aura des rebondissements ou pas? Moi, je vois bien un match tranquille. Un 2-0 ou 3-0 tranquille. Mais j'espère pas de rebondissements. Après, le football est plein de surprises. Donc, on verra bien. Écoute, au vu de la deuxième période, ça peut être compliqué s'il y a toujours 1-0. Ah, c'est ça. Parce qu'on a vu les Troyens dans leur transition avoir des joueurs très rapides. Donc ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment ce deuxième but pour les assommer. Et ce troisième pour que le match n'existe plus. Allez, Kitiki en profondeur, justement. Hugo Kitiki qui va chercher une solution en retrait. Avec Juan Bernat. Kitiki. Et retrouver ici la belle combinaison des Parisiens. On va retrouver Verratti, Mbappé une fois de plus. On cherche une solution. La petite louche de Verratti, elle est magnifique. Pour retrouver Juan Bernat, le centre contré par la défense troyenne. Et récupéré aussi vite par les Parisiens. Bien joué. La Trippi, c'est vraiment ce qu'on a apprécié dans cette première mi-temps. Un bloc parisien très haut, qui fait les efforts et qui récupère très vite les ballons. Et dès le début de cette seconde période, c'est ce qu'on a l'impression de revoir une fois de plus. Ramos. À gauche avec Verratti, puis Juan Bernat. La virgule de Juan Bernat, c'est passé. Retrouver Mbappé cette fois-ci. Ah, faut que ça enclenche très vite. Quand on arrive dans la surface, faut qu'on arrive à avoir cette prise de vitesse après très rapide. Alors là, la virgule de Juan Bernat, je m'y attendais pas. Oui. Ça revient ce ballon, Vitinha. Le centre qui ne trouvera pas preneur. Tu l'as vu la virgule, Trippi? De Viti? Non, de Juan Bernat. Non, j'ai pas vu. Tu l'as manqué? Sur le chat, dites-moi que je suis pas fou, mais il y avait une très belle virgule de Juan Bernat sur le côté. On va la revoir, rien. On la revoit. Oh là 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 là, mais c'était un élastico de qualité, là, ce qu'il nous a fait, Juan Bernat. Ah, j'avoue. Moi, j'en ai jamais fait, moi. Oh... vraiment le répéter, hein, ce geste. Ah, faut être à l'aise, surtout avec ses genoux. Hein. Moi, j'y arrive, mais plus en l'air. J'ai tellement fait depuis que je suis jeune, je te jure. Allez, Mbappé qui récupère ce ballon. Mbappé avec Vitinha, super belle passe. Mbappé qui n'est pas retrouvé. C'était un peu lisible, là, ce qu'il lui a fait. Vitinha, quand tu le vois arriver aussi vite. Je pense qu'il aurait dû mettre plus d'efforts dans sa talonnade, mais après, si t'as pas les tisquios sereins, t'es cuit, quoi. Et la balle qui revient dans les pieds troyens. En tout cas, le PSG qui se procure des occasions intéressantes dans ce début de seconde période.
Sur pressing, rien. Faut concrétiser. Verratti à gauche avec Fabian Ruiz. Il va porter ce ballon, c'est bien parce qu'on est face au jeu, on accélère côté parisien avec Ekitike qui va chercher une solution. Écarté certainement, non, la frappe d'Ekitike, détournée. Il a glissé. Alors, le portier croyant. Il a glissé avant de tirer. Et c'est bien aussi ce que propose Ekitike là dans ce match. Ekitike justement. Je le sens buteur moi. Quelle passe là pour Verratti. Oh, Verratti la frappe, oh, détournée par Gallon. Ah, il a tiré son gardien. Je crois qu'il l'a pris entre les jambes derrière le gardien. Il l'a bien prise. Ouais. Ouh. Il l'a prise entre les jambes. VV. Punaise, VV, là, t'aurais pu mettre un but, là. Ouais, là, c'était une situation plus qu'intéressante pour Marco Verratti, qui était seul dans la surface face au gardien. Malheureusement, Gallon qui s'interpose avec tout ce qu'il avait. Dans les parties intimes, ça fait toujours mal. Ouais, ça fait mal. Regarde la position moyenne des Parisiens, elle est très haute. Ouais, on bascule plus à gauche avec notamment Juan Bernat qui est habitué à jouer à ce poste de piston gauche. Et Zaire Emery, on sait que c'est pas forcément son vrai poste. Et du coup, il est un peu moins offensif, il prend un peu moins de risques. Mais après, c'est. Et aussi la très belle passe d'Ekitike pour. C'est normal. Pour Verratti. Soigneurs qui sont actuellement avec le gardien. Le jeu qui est arrêté pour l'instant. Avez-vous passé une bonne soirée hier soir? À perso, quand j'ai vu la victoire de Lens, je me suis dit que intéressante. Il y avait un point en plus à rattraper pour rattraper le Paris Saint-Germain et du coup, ça me va. Mais on a eu des bons matchs de football entre ce Lens Marseille, ce Lyon Montpellier. Et on termine aujourd'hui par ce 3 Paris Saint-Germain. Le corner qui va être joué de par les Parisiens. Fabian Ruiz avec Vitinha. Non, la fin de Fabian Ruiz. Ça va être tiré par Vitinha. Détourné. Ah, ça manque. Par les Rentroyens. Attention à la relance. Avec Zaire Emery, la petite fin de corps. Tranquillement la relance de Zaire Emery. Non mais c'est trop propre pour son âge. Côté. Comment fait-il Trippi? Je sais pas. Mbappé, le contrôle. La feinte. Kylian Mbappé la frappe enroulée. Ça passera juste à côté. La spéciale Kylian Mbappé qui était pas loin de rentrer là. Kay, ils sont morts le maillot quoi. Ouais. Et il s'était préparé, il avait le temps. Sur son crochet extérieur. Il avait un peu glissé et après, il a pris son temps. Ah, elle a pas tourné. Elle a passé, ouais. Elle s'est passée enroulée. Ah, je pense qu'elle tourne, elle est belle. Hein. Il y avait l'angle là pour Kylian Mbappé. Le PSG qui se procure de plus en plus d'action dans cette seconde mi-temps. On aurait pu mettre deux buts facilement avec Verratti et Mbappé là. Et puis Fabian Ruiz aussi, Ekitike. Il y a eu pas mal de frappes dans cette seconde période déjà en 8 minutes simplement. Ah, mais on marque pas. Mais on marque pas. Ça va arriver, Trippi. Va arriver, t'en fais pas. Allez, Ramos. La belle passe vers Vitinha. Il s'est ouvert le jeu. Avec Ekitike. Il va retrouver Zaire Emery. Zaire Emery dans la surface. Retrouver Mbappé. Mauvais contrôle, mais ça revient. Zaire Emery qui voit sa frappe contrée là. C'est sorti sur lui. Ouais, surtout le contrôle de. Mbappé, Kylian, là, sur son premier, il aurait pu mieux la prendre. Et derrière, on voit un ballon un peu compliqué à Zaire Emery. Mais heureusement qu'il va pas au duel, franchement, parce que... Ouais. Adil Rami, la relance. En retrait. Avec Gallon. Le gardien troyen. Et la prise de risque des Troyens pour relancer ici. Ils s'en sortent bien. Marquinhos qui arrive au pressing. C'est intéressant défensivement ce qu'il nous fait. Ils font les Parisiens ici. La balle interceptée. Mais ça revient dans les pieds de Troyens, attention.
pas laisser se faufiler. Côté gauche, justement, avec Laroussi. Jean, les gars, faut venir. Il va retrouver Audobert. Audobert dans la surface, bien contré. Dans la défense parisienne. On va pouvoir repartir. Avec Verratti, Vitinha. Et Kitike. Ça, c'est bien joué de la part des Parisiens. Y a, la passe un peu trop profonde. Il y avait Fabien Ruiz. Il y a Fabien Ruiz là qui. Parti de l'autre côté, ouais. Elle là-bas intercepté par Sergio Ramos. Ramos. Avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui va tenter sa chance peut-être. Mbappé servi dans la surface. Mbappé, accélération. La frappe, non, le crochet. Il cherche une solution maintenant. Fabien Ruiz la frappe. Qui passera juste à côté. Oh là là, qu'est-ce qu'on vendange devant le but. Ouais, malheureusement, ça ne rentre pas côté parisien pour l'instant. Alors qu'il y a beaucoup d'initiatives et d'occasions. Ah, il y avait Sergio Ramos qui était dans la surface. Sergio, il veut son 135e but, Trippi. Maintenant qu'on a la stat, on peut la sortir. Ah, oh, bien joué ça. Attention, bien joué, ce second poteau là pour les Troyens. La Russie, il va venir voir son centre intercepté. Pardon, Naruma. Et on peut repartir côté parisien, mais le bloc parisien est un peu en deux là actuellement. Le bloc Troyen aussi, de toute façon. Ah, mieux. Bon retour de Vitinha derrière. Marquinhos à droite avec Zeremri. Warren Zeremri. Il va essayer d'aller tout seul peut-être. La combinaison. Verratti avec Ekitike. Ekitike qui va retrouver Mbappé. Quelle passe incroyable. Ouh, malheureusement derrière. Et Mbappé qui a pris un coup. Non. Ah, il a pris un coup derrière. Sur l'élan. Sur son élan quand il... Il est pas content. Il est pas content parce que le gardien... Il lui a mis un bon coup. Ouais, après c'est sur l'élan, donc il a pas fait exprès. En tout cas, bien senti de la part de Kitike. Dommage que ce ballon. Toi, tu vois. Ah, il a un tout petit peu trop intérieur. Avant, hein. Pas la mettre mieux. Ouais. Ah, c'est dangereux quand même. Très très dangereux parce que heureusement qu'il reste pas planté devant le gardien. Heureusement qu'il y a des protèges tibia. La relance troyenne. Approximative ici qui va revenir sur Sergio Ramos. Le bon pressing des Parisiens qui force les Troyens à dégager ce ballon. Et c'est récupéré par Fabien Ruiz avec Marco Verratti. Ouais, belle intensité hein, de la part des Parisiens pour la récupération du ballon à chaque fois. On les sent concentrés, hein, les Parisiens impliqués. C'est ce qu'on aime voir. Maintenant, ce qui nous manque, Trippi, c'est un peu de réalisme devant les cages. Ah, on veut des buts, nous. Allez, ramène-nous un petit but, Trippi, là. Et Kitike. Il va arriver, il va arriver. Avec Verratti. Verratti, le centre, second poteau. Vitinha, ça revient. Et le but de Vitinha, il est arrivé. Le centre de Marco Verratti sur une tête de Vitinha qui est contrée par le gardien. Et ça revient ensuite sur Vitinha. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG fait le break. On l'a dit, on l'a prévenu quelques secondes avant que le but allait venir, il est arrivé. Quel caviar. C'est encore un très bon ballon de Verratti, cet appel de balle de Vitinha. Un peu de réussite derrière, une fois de en plus. Ouais, mais c'est pas grave, en deux temps, il arrive à mettre ce ballon au fond des filets. La balle qui revient pile sur le pied de Vitinha. Le PSG qui rate pas mal d'actions, mais qui met des buts... Je sais pas trop d'où ils sortent ces buts-là, le but d'Mbappé qui revient sur une barre, ce but-là qui revient en plein sur Vitinha. Les buts les plus simples, on les met pas, et les buts les plus compliqués, on arrive à les mettre, Trippi. Mais c'est bien, parce qu'on l'a dit en première période, c'est ballon que Verratti met dans la surface, sur un espace réduit, prend par surprise les Troyens. Donc je trouve ça très intéressant parce que les Troyens sont en bloc bas, ils attendent, ils sont là à plus à défendre en avançant. Mais quand tu les prends en revers sur un
sur un appel en profondeur. On l'a vu cette saison, et on se rappelle du but de Kylian face à la Juve sur sur une superbe passe de Neymar. Mais au final, ils savent pas comment défendre parce qu'ils ont plus travaillé dans la semaine à défendre en avançant, en réduisant les espaces, les intervalles pour pas qu'on puisse trouver des Parisiens dans le cœur du jeu. Mais quand tu arrives à les prendre comme ça dans la profondeur en faisant des micro-appels de balles, honnêtement, c'est réjouissant. Et le break réalisé par les Parisiens avec Vitinha qui est sur les deux buts, hein. Vitinha passeur sur le premier but, même si je pense pas que la passe D lui sera attribuée vu que c'était contré. Non, quand même. Mais il est sur les chaud deux quand buts même. tout de même avec cette passe pour Mbappé, puis ensuite le but sur le deuxième but parisien. Bien servi hein, par Verratti. Les caviars de Verratti qui auront fini par payer Trippi. Des vrais caviar. Hein. Le pressing des Parisiens. Et la balle récupérée avec Fabien Ruiz. Marco Verratti. Vitinha qui va chercher une solution à droite. Vers Warren Zaïre-Emery. Ce but du break Trippi fait vraiment du bien aux Parisiens. Il nous fait du bien à nous Ouais, également. mais je sais pas, 2-0, moi tu vois, j'ai du mal. J'aime bien, ça fait 3-0. 2-0, il y a deux buts, mais le 2-0, il suffit qu'ils mettent un but, même C'est si ça. j'essaye de ne pas être négatif dans mes propos, mais ça peut relancer la partie. Ça peut tellement relancer la partie sur une émotion, C'est vrai que alors quand t'as qu'un 3-0, 3-0, ouais. c'est un peu, un 3-0, c'est un peu plus clair. T'es tranquille en général. Mais parfois t'es trop tranquille à 3-0 et du coup les adversaires arrivent à revenir. Mais bon. Ouais, après on l'a vu aujourd'hui, hein. On l'a vu cet après-midi à 17h. On revoit ce but de Vitinha qui a su se projeter dans la surface de réparation. Peu de réussite, ça revient sur sa jambe. Et deuxième but pour Vitinha sous les couleurs parisiennes. Il avait marqué il y a pas si longtemps, il y a 3 semaines je pense. Premier but. Là, ils prennent des risques les Troyens pour relancer. Et ça paye parce qu'ils ont réussi à bien relancer. Mais c'était très risqué cette relance troyenne. Danilo qui vient bien couvrir derrière. Il va pouvoir Il va rejouer. relancer. D'accord avec Trippi. Il faut continuer à attaquer, nous dit Pochettino 5 sur le chat. Ah, il faut continuer, faut pas relâcher. En plus, t'as le ballon. Pour le moment, 3 est inoffensif. T'as des situations où tu arrives à rentrer dans la surface de réparation des Troyens. On est quand même rentré pas mal de fois, même si on n'a pas les stats, on est rentré pas mal de fois dans la surface des Troyens. À qui il a fait la passe? Oh, Rami. C'est totalement trompé là, dit le Rami. Zaïre-Emery qu'on voit à l'œuvre ici. Il a touché 64 ballons dans ce match. Parisien en position de piston droit. Très solide, très propre. Sergio Ramos. Alors que l'heure de jeu a été dépassée. La transversale de Sergio Ramos, côté droit. Avec Zaïre-Emery, on parlait de lui il y a quelques minutes. Allez, maintenant, on réussit à mettre un petit troisième. Un troisième but nous ferait pas de mal, nous dit Charlito sur le chat. Puis un but de Kylian, comme ça. Comme ça, il est tranquille tout seul au classement des buteurs. C'est vrai qu'actuellement, il est à égalité avec Lacazette. Il a rattrapé Alexandre Lacazette. Il a mis 4 buts cet après-midi. Il a mis vraiment 4 buts hein, pour le coup. Sacré perf. Sergio Ramos. Avec Marco Verratti. On va retrouver Fabien Ruiz. Ekitike, dos au jeu. Les Parisiens qui progressent avec Marco Verratti. La passe trouvée dans l'intervalle. Ah, c'est Verratti-Vitinha, on essaie de dommage. combiner rapidement avec Mbappé. Et les Troyens qui n'arrivent pas à relancer. La balle récupérée dans la surface pour les Parisiens. On tire pas, hein. On tire pas, mais quel centre là de Mbappé, de Bernard pour Oh, Mbappé, on n'arrive pas à il le trouver un tout petit peu trop sur le gardien.
Le 3-0 qui était très proche là pour le Paris Saint-Germain. Attention parce qu'il y a une contre-attaque du côté de l'Estaque. Avec Baldé qui va jouer en retrait. Vers là aussi. Baldé qui va venir tirer, contré par Danilo, le soldat parisien. Et Mbappé qui a glissé, mais qui avait presque gardé ce ballon ici. Et la balle qui va revenir dans les pieds troyens. Là aussi, côté gauche, contre Warren Zaïre-Emery. La bonne défense, ce petit parisien qui l'oblige à revenir derrière. C'est vraiment solide, hein, Zaïre-Emery. Je suis impressionné par sa capacité à s'adapter au poste, à bien défendre en piston droit. Et là encore, il vient grappiller un ballon. Malheureusement, il n'arrive pas à le récupérer entièrement. Mais c'est bien ce qu'il nous fait. Bloc parisien qui est un petit peu redescendu. Deuxième but qui a Ouais, peut-être un mais... peu trop relaxé les Parisiens ici. J'espère pas en tout cas, Trippi. Non, j'espère pas parce qu'il faut, continuer. Là, il faut pas qu'il y ait du relâchement ou sinon, faut qu'on arrive à avoir des changements qui vont permettre d'avoir une stabilité, un équilibre. Vitinha, récupération. Il est allé loin avec le ballon, il est contré. Après, maintenant, il faut le dire aussi, c'est aux Troyens d'attaquer. Hein, maintenant qu'ils sont menés de 2 buts. Changement pour les Stags d'ailleurs. Première session de changement. Sortie d'Agoumé. Entrée de Rominig Kouamé. Double changement. Avec la sortie d'Andreas Bruce et entrée de Tierno Baldé. Il y a un son trépille là, non? Là, il y a un son. C'est pas toi? Si, si, c'était bon. Ramos. Ballon touché, on aperçoit Marco Verratti en tête du classement. 101 ballons touchés pour Marco Verratti. On est à 67e, quoi. On n'est que à la 67e minute. C'est énorme les stats ce soir de ballon touché. Il va finir à 150 limite. Ouais, exactement, hein. Espérons, après, peut-être qu'il va sortir aussi. Et il enjambe, mais il nous fait une très belle partition ce soir, le maestro italien. Une très belle partition. Verratti. À gauche. Avec Danilo. On le retrouve encore une fois. Marco Verratti qui multiplie justement les ballons touchés. Zaïre-Emery. Ça va aller vers Verratti ce ballon. Je le reconnais. Vitinha. Marquinhos qui va écarter côté gauche. Avec Ramos. Il cherchait Juan Bernat. La balle qui va revenir sur Fabian Ruiz. Mbappé. Ouais, dommage. Il y a du monde dans le périmètre. C'était compliqué de passer. Et les Troyens qui vont essayer de venir inquiéter les Parisiens en contre-attaque ici. Baldé sur le côté gauche. La balle récupérée aussitôt par les Parisiens. Verratti avec Fabian Ruiz. Danilo. Il va écarter à gauche vers Mbappé. Position de hors-jeu. Non. Si, position Ouais, de hors-jeu. Quel Mbappé? léger. Léger, léger. Il attendait ce ballon beaucoup plus tôt. Ouais, on a vu qu'il était légèrement hors-jeu. Ouais. Voilà. Il attendait ce ballon depuis un moment déjà. Les stats pour l'instant, Trippi. 65% de Dis-le-tout. possession pour les Parisiens. On a 605 passes. 95% de passes réussies. La stat est impressionnante. 24 tirs et 10 cadrés pour le Paris Saint-Germain. À 6 pour 3 et 1 cadré. 10 95% tirs de cadrés. passes réussies, Trippi. T'as déjà vu cette Tu m'as stat? dit, tu as dit quoi? 10 tirs cadrés? Je sais même plus ce que je t'ai dit. 10 tirs cadrés, ouais, c'est ça.
T'imagines? 24 tirs, 10 cadrés. Ça fait beaucoup 10 tirs cadrés quand même. Hein. La stat choquante, je trouve, moi, c'est 95% de passes réussies. Ouais, après, bon, ils sont. C'est pas pour les incriminer, mais ils sont un peu inoffensifs, eux, trois. Ouais, c'est ils pour sont... ça, mais. Ils sont statiques dans leur manière de défendre. Ils laissent jouer les Parisiens, ils veulent les prendre en compte, mais bon, ce soir, les Parisiens, ils ont quand même un beau taux de réussite au niveau des passes. Donc ça va être compliqué de ne pas faire 95%. Il y a peu de déchets. Hein. Peu de déchets dans les rangs parisiens. C'est propre à chaque fois qu'on a le ballon et on le récupère assez vite. Même si là, on est un peu plus en train de souffrir dans cette seconde mi-temps. Depuis qu'on a mis le 2-0, Trippier, on aperçoit une équipe troyenne qui sort un peu plus, qui est un peu plus offensive. Et une équipe parisienne un peu plus bas sur le terrain. Les Troyens avec la balle, les 6 côtés droits. On leur laisse un peu la possession aux Troyens. Là aussi côté gauche face à Zer Emery qui vient contrer ce centre. Franchement, c'est bien ce qu'il fait le gamin ce soir sur son côté droit. Rarement pris à revers, même offensivement il arrive à apporter. Franchement, il a une bonne technique défensive. C'est impressionnant de le voir aussi performant à ce poste. Le corner pour les Troyens. La vigilance de Sergio Ramos qui appelle tout le monde à rester bien à son poste. Joie de ce corner. Non, c'est tiré directement, premier poteau. La tête de Fabian Ruiz s'est contrée et touche pour les stacks. Les Troyens menaient de 2 buts pour l'instant. Inscrit par Mbappé. Et Vitinha, il reste un peu moins de 20 minutes dans ce match. Le PSG qui se rapproche d'avoir 6 points d'avance au classement sur le Racing Club de Lens. Sachant qu'il resterait ensuite 4 journées de championnat. Oui, Zer Emery qui vient récupérer ce ballon. Il vient se projeter maintenant. Dans l'intervalle, il est passé. La passe à gauche, c'est super. Pour Ekitike, les passements de jambes. Ekitike qui cherche une solution. Verratti. Fabian Ruiz. Marquinhos qui vient se projeter aussi également. Et le centre second poteau, il est beau vers Juan Bernat. C'est un corner. C'est fort ce qu'il fait, honnêtement. C'est pas pour lui. C'est pas être trop élogieux envers Warren Zaïre-Emery. Mais même là, sur cette action, il a su récupérer ce ballon et apporter directement du danger. Et gagner des kilomètres avec le ballon. C'est fort. Ben Ruiz qui prend son temps pour aller tirer ce corner. Ouais, ben. On va pas le presser. Hein. On gagne pour l'instant. 2-0. Un petit troisième. On dirait pas non, on vous l'a dit. Un petit but pour Mbappé. Kylian pour le 3-0. Le centre sur ce corner parisien. Second poteau un peu trop profond. Récupéré par Verratti. Avec Marquinhos. Pas d'hors-jeu. Marquinhos pour Mbappé, justement. Mbappé dans la surface. La frappe contrée avec son pied gauche. La grosse frappe. Et tout de suite, le gros pressing parisien. Ah, monsieur l'arbitre. C'est lui qui rentre dedans. On va revenir à une petite faute parisienne. Oh, c'est qu'est-ce que c'est ça? Punaise. Sur le chat, comment vous voyez cette fin de match? Est-ce que vous pensez que ça va rester sur un 2-0? Un 3-0, un 2-1, un 3-1. Dites-nous sur le chat comment vous sentez cette fin de match. On a une stat qui vient de s'afficher également. 3 en première période, c'est 4 tirs, 2 cadrés. Et en seconde période, un seul tir pour l'instant, les Troyens. C'est vrai qu'en première période, ils s'étaient réveillés un peu sur la fin de la première période. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire également cette fin de seconde période? C'est pour ça qu'il faut mettre le troisième but rapidement. Ouais, comme ça, on va pas stresser. Alors, Dolux qui nous dit 3-0, Creepy 3-0 également. Elsa qui nous dit 3-1 ou 3-0. Oh, clean sheet, les amis. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui voient un 3-0 sur le chat actuellement. Doublé d'Mbappé pour Rico Bar sur le chat. Mbappé, justement, avec Verratti. Là, on n'est pas au parc. Non, on n'est pas au parc parce que le match est... au stade de l'Aube, c'est ça, Trippi?
Exactement. Stade de l'Aube. Marquinhos sur le côté. Avec Vitinha. Zaïre-Emery qui nous fait une prestation très solide, le Titi parisien. Il faut le dire, faut le louer. Verratti qui va écarter vers Ah Mbappé non. justement. Mbappé, la frappe contrée. Le Ah, troisième, c'est pas pour maintenant. il veut pas le laisser marquer hein, son 25e but hein. On va attendre un petit peu. Attention parce qu'il y a une contre-attaque troyenne. Et ça peut aller vite. Bonne défense de la part de Danilo Pereira. Dans les Troyens qui ont vraiment du mal à arriver dans ce Ah, ça bloc défend. parisien. Ah, mais ça défend bien. Ça défend bien là côté parisien ce soir. Là, on revoit cette occasion d'Mbappé qui arrive à contrer ce ballon de la poitrine malgré qu'il soit au duel. Marco Verratti. Il progresse avec le ballon. Quelle passe, il vient de trouver la pour Ekitike. La frappe d'Ekitike contrée malheureusement. Mais quelle passe hein, trouvée par Marco Verratti ici. Oh, Ah, c'était il a une petite impressionnant. crampe. Bah oui, il joue pas assez le gamin. C'est dommage. Crampe, crampe, crampe. Il a énormément donné durant ce match aussi, Ekitike. Faut dire la vérité, il a été omniprésent dans le front de l'attaque. Il a énormément demandé dans ses déplacements, dans ses déviations aussi. J'ai bien aimé. Il a beaucoup de... Ouais, jouer dans... Dans les petits espaces également. Beaucoup de passes Là, c'est réalisées. une. Ouais, là, c'est une crampe. Ah, les Bon, crampes, quand ça survient, les crampes là, quand ça surgit, pardon. un tir, ouais, ça arrive. Marco Verratti qui est mis en lumière par la caméra. Va-t-il sortir? Je ne crois pas. Peut-être. Ticket qui pourrait être remplacé par Yesusni, peut-être. En tout cas, il est sur la pelouse encore une fois. Tiqué, pas de changement dans les rangs parisiens. À l'échauffement, si Renato qui va rentrer. Peut-être pour Marco Verratti. Il revient de blessure il n'y a pas si longtemps que ça. Marco Verratti qui a fait un match superbe aujourd'hui. Match plein. Une passe D. Beaucoup d'activité, beaucoup de caviar déposé par Marco Verratti dans ce match. Le corner qui ne donnera rien pour les parisiens. Et la balle. Il revient tout de suite pour les Parisiens. Marquinhos, second poteau. Sergio Ramos. Ouh, on demande une main. On demande une main dans les. Franchement, c'est compliqué de siffler des mains dans cette situation. Le ballon lui vient directement. Il n'a pas un temps de réaction suffisant pour pouvoir faire autre chose. Il y avait main? Je sais pas, je sais pas, j'ai pas. J'ai pas vu non plus. Renato Sanchez qui va rentrer du coup. Hein. Dans ce match, attention, bien défendre. Oui, super Warren Zaïre-Emery, mais quel boulot effectué de la part du Titi parisien. C'est impressionnant ce qui nous fait la relance derrière. Non, je sais pas quoi vous dire sur Warren Zaïre-Emery, mais quel match. Quel match en tant que piston droit il nous réalise aujourd'hui. Il nous prouve bien qu'il peut jouer partout. Et qui cherchait Vitinha. Vitinha. Avec Verratti. Encore un caviar de Verratti. Ah, oh, l'extérieur manqué de la part de Marco Verratti. On lui en veut pas parce qu'aujourd'hui, il a distribué caviar sur caviar, Marco Verratti. Impossible de lui en vouloir. C'est quoi le terrain en haut à droite de l'écran? C'est ce qui se passe actuellement. En fait, c'est un petit radar animé. Je vous montre ce qui se passe actuellement sur le terrain. Vu qu'on n'a pas les droits de diffusion du match, je vais vous montrer un petit radar où. Il vous montre justement où est la balle, que se passe-t-il et voilà. Il récupère ce ballon. Mais il est fatigué, faut faire des changements. Ouais, la balle qui est sortie en touche, justement, on le voit sur le radar. Et il va y avoir des changements, notamment la sortie, je pense, de Marco Verratti pour commencer. Et Carlos Soler qui va rentrer également. Et Kitike qui va sortir du coup de ce match. Et je pense Marco Verratti aussi également. Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, bonne prestation de Kitike. Qui a su dans un match compliqué, on le sait, pour viser le titre, mais qui a su donner satisfaction dans son rôle, en l'absence des joueurs offensifs, et Marco Verratti, comme à son habitude, Ah, quel match hein, de très la part de précieux au Marco milieu de terrain. Verratti. Et le retour de mon chouchou Renato.
Masterclass hein, de Marco Verratti aujourd'hui. Magnifique. Bien, mais dis un mot sur Renato, s'il te plaît aussi. Merci. Renato qui nous a apporté toute sa magie dans ces 10 dernières minutes en espérant que le corps suive, surtout pour Renato. Mais bon, dans ce genre de match, 10 minutes, ça devrait aller. Petite faute sur le côté. Carlos Soler vient de rentrer. Marco Verratti, j'aimerais bien avoir la stat des ballons touchés par Marco Verratti, mais je pense qu'elle était assez impressionnante. On devait être vers les 130 ballons touchés facilement pour Marco Verratti dans ces eaux-là. Renato. Avec Marquinhos, le pressing des Troyens. Ramos qui va pouvoir relancer vers Donnarumma. Les Parisiens qui prennent leur temps pour l'instant. Qui mènent de deux buts. Sur le chat, vous avez tous annoncé un petit 3-0. On l'espère bien ce 3-0, mais il va falloir intensifier un peu les attaques et être un peu plus réaliste. Parce que là, on est un peu dans un rythme un peu moins intensif depuis ce 2-0, Trippi. Zeremri encore une fois qui va mettre ce ballon. Ouais, t'es en fait, t'as toujours ces situations dans la surface de réparation, mais t'arrives pas à concrétiser et ça, c'est quand même pas mal d'énergie à vouloir attaquer la profondeur, à garder le ballon, à se déplacer. Et il est tout à fait normal que Troyes puisse aussi de leur côté mettre en difficulté cette équipe parisienne. Maintenant, c'est à nous de résister. Le corner. Repoussé par les Parisiens. Attention parce que justement ça va revenir ce ballon pour les Troyens ici. Adil Rami dans l'axe. On va pouvoir écarter. Là on est un peu seul côté gauche pour les Troyens. Ils vont pouvoir centrer. Premier poteau, la tête. Et ça va rentrer. 2-1. Les Troyens qui réduisent l'écart avec Chavalerin, le numéro 24. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on voulait voir dans la Trippi aujourd'hui. Voilà, c'est mauvaise appréciation de la défense parisienne. Là, sur le côté, encore une fois, on sort pas très rapidement sur le joueur. Et derrière, on oublie le marquage de Chavalerin qui se retrouve seul au premier poteau. Ah, il y avait une grosse présence derrière, de la part des Troyens. Derrière, on se fait surprendre encore une fois. Il était tout seul entre quatre joueurs là, Chavalerin. Il arrive à mettre ce but. Non, c'est pas refusé, hein. Le but qui a été validé. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et attention à pas laisser des points précieux parce que là, justement, on va être un peu plus en stress dans ces dernières minutes. Bien sûr. Allez, Kylian, sauve-nous. Viens nous mettre un petit but pour que ça aille un peu mieux. Zeremri avec Vitinha. C'est bien joué de la part des Parisiens. Et là, on aperçoit qu'il y a beaucoup d'intensité chez les Troyens. Le tag de Chavalerin sur Zeremri. La touche vers Vitinha. Ben Ruiz. À gauche avec Renato. Le bloc troyen qui reste très très bas malgré le fait qu'il soit mené au score. Zeremri avec Vitinha. Quel match hein, de la part de Warren. En fait, on circule ce ballon pour l'instant. Vitinha qui résiste au duel. Là, faut pas prendre de risque. Là, faut essayer de faire circuler ce ballon en étant propre. Allez, là, on est parti. Ouais. Et attendre que ça s'ouvre. Ouais. Renato avec Vitinha, il y a un peu d'espace. La frappe de Vitinha qui passera au-dessus. Il a tenté, s'est dit pourquoi pas un petit doublé, Vitinha. Auteur d'un but déjà dans ce match. Ah là, c'est. On revoit ce but hein, qui. On n'arrive pas à anticiper ce qui va arriver. C'est vraiment dommage.
Le pressing des Parisiens ici. Et la balle récupérée par Kylian Mbappé avec Renato. Rien de Sanchez dans la surface. Renato qui va venir fixer l'adversaire. Trouver Kylian Mbappé. Oh, c'est contré. Ça revient. Fabian Ruiz. Et le poteau rentrant pour Fabian Ruiz. 3 buts à 1. Ah, il a pas pour marqué, le Paris Saint-Germain. Ouais. Ah, il le voulait ce but Fabian Ruiz. Hein. Il a tiré, il a tiré, il a tiré aujourd'hui. Et finalement, ça finit par rentrer. Le but du break et de retour pour les Parisiens. Ah, c'est magnifique avec cette récupération du ballon. Et derrière, on arrive à se projeter et à être clinique dans la surface. Bien sûr, un premier temps, Kylian n'a pas pu la mettre sur une bonne passe de Renato. Ouais, et super derrière, parade. On arrive à suivre les buts. Oh là là. Quel but, hein, Trippi. Faut se le dire, mais la frappe, elle est belle. Hein. Ah ouais, elle est belle. Franchement, poteau rentrant, il est bien rentré dans le ballon. La réaction de Mbappé derrière qui s'en veut d'avoir raté son... Ah ouais, j'ai vu ça. Il s'en veut d'avoir raté le 25e. Mais il a pris le ballon avec lui. Allez, 3-1 pour les Parisiens. Il fait plaisir ce petit but du break parce qu'on aurait pu stresser un petit peu dans la dernière minute. Trippier, au final, en quelques secondes, le PSG a réussi à reprendre l'avantage. Ce but du break qui nous permet vraiment de pas trop stresser. Et vous étiez beaucoup à avoir annoncé un 3-1 sur le chat tout à l'heure. Et écoutez, vous l'avez vu ce 3-1. Pas bien les gars, pas bien. Zaire Emery. Peut glisser là sur le côté. Fabian Ruiz qui vient bien défendre. Et aider sur le côté droit. La touche pour les Troyens. Moi, tu sais quoi, je sens même un petit 4-1 là. Un peu d'espace pour Mbappé en profondeur. Ça peut aller vite. Hein. Cette passe de... Dommage, hein. L'extérieur là. Ah, il sort bien le gardien. Là, par contre, il peut rien faire. Bien, la frappe, elle est pure. Elle est pure la frappe derrière. Mbappé en profondeur pour un dernier but, je le sens bien, moi. Les Troyens qui ont le ballon dans ces dernières secondes. Côté gauche avec Chavalrin qui est justement l'auteur du but Troyen. Ils font circuler ce ballon. Je pense qu'ils vont mettre combien de temps de... Ils vont mettre combien de temps additionnel? 2 minutes, je pense. Ouais. 3 max. Il y a eu des buts en vrai. Il y a eu 3 buts. Il y a eu 3 buts, il y a eu la VAR, il y a eu les changements. Allez, peut-être 3 minutes. Il n'y a pas eu de blessure. Il y a eu un joueur. Non, je sais plus. Mbappé qui savait en profondeur, ce sera. Oh là là, un peu trop profond. C'est dommage. Si la touche un petit peu pour ralentir le ballon là. Parce qu'il allait se passer, ça va trop vite. Et il va rester une petite minute 30 dans cette seconde période. Ouais, je pense 3 minutes supplémentaires. Ouais, les buteurs, Mbappé, Vitinha, Fabian Ruiz dans ce match. Allez, finir sur un 3-1. Ou un 4-1, ce sera encore mieux. Moi, je sens qu'il peut y avoir un peu d'espace dans cette fin de première mi-temps, deuxième mi-temps. Je me dis que si on la récupère, ça peut aller très vite. Oh, ils ont ralenti le jeu un peu, les Troyens. Ouais. Il reste quand même en bloc derrière. Danilo qui vient écarter le danger sur ce centre Troyen. Fabian Ruiz avec Carlos Soler. C'est compliqué cette relance là. Et les Troyens qui font circuler cette balle dans ces dernières secondes de ce match. La passe dans l'axe. Pour trouver Baldé. Mama Baldé. Bien pressé par Sergio Ramos. Sans faire de faute à la régulière. Et là on peut repartir vite. Renato qui a un peu d'espace.
Il va aller fixer, aller chercher Mbappé certainement. Il y a Mbappé qui est parti côté gauche. On sait qu'il va la vouloir cette balle. Renato tout seul, le crochet. Renato frappe pied gauche, c'est Ah, elle a contré. pas décalé. Ouais, Elle a pas il décalé. Ah, l'attendait, c'était quand même Kylian. bien joué. Ah, c'était bien joué de la part de Renato, cette feinte de frappe après derrière. Il aurait pu la décaler à Kylian, mais il a tenté sa chance, c'est bien joué. Il a voulu se régaler avec un petit but là, rien de Sanchez. Allez, 3 minutes supplémentaires du coup, on avait vu juste Trippier sur le temps additionnel. Les Troyens, côté gauche, il reste plus que 2 minutes 30 ans. Dans cette Attention, seconde attention, faut période, pas. le centre Troyen qui ne donnera rien, c'est contré par Sergio Ramos. Les esprits qui s'échauffent un petit peu entre Sergio Ramos et un joueur troyen ici. Je pense qu'il faut On sait pas ce respecter qui s'est Sergio Ramos. passé. Il faut respecter Monsieur Sergio Ramos. On sait pas ce qui s'est passé. Il va être appelé à l'ordre, peut-être un carton jaune. À 91e minute, ça sert un peu à rien. Voilà, ils se sont Subiqué. excusés. C'est bon, pas de carton entre Mama Baldé et Sergio Ramos. C'est la tension, ça arrive dans les matchs de foot. Et le corner pour les Stacks, 92e minute. Adil Rami pris au marquage par Rian Sanchez. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Adil Rami? Il est là pour blaguer, Adil Rami. Il vit ses derniers instants de sa carrière, il veut prendre du plaisir et tant mieux. Il aura une belle carrière. Ah oui. Le corner troyen qui ne donnera rien. Et 6 mètres pour le Paris Saint-Germain. Dernière minute de ce match, de cette 34e journée de Ligue 1. Le PSG qui va s'imposer du coup 3-1 face à 3. Entrée d'Ismaël Garbi pour terminer. Sortie Vitinha. Auteur d'un but et auteur presque d'une passe D pour Kylian Mbappé. Mais le Garbi qui est très intéressant. Dommage qu'il n'aura pas trop le temps de s'exprimer là dans ces dernières secondes. En 30 secondes, je ne sais pas s'il touchera la balle, mais au moins il est rentré. Donnarumma. Pouvoir allonger Danilo avec Renato sur le côté gauche. Il est un peu esselé Renato ici. La balle perdue. Le pressing de Garbi avec Renato. Ça revient dans les pieds troyens. Et c'est terminé, Trippi. Dans ce match, le coup de sifflet de l'arbitre. La victoire 3-1 des Parisiens à 3. 3 points supplémentaires pour le Paris Saint-Germain, la mission est réussie. Le PSG qui donc se rapproche de plus en plus de ce 11e titre, tant convoité par le Paris Saint-Germain. Ouais, victoire parisienne, et ça fait du bien, ça nous permet de rapprocher un peu plus de l'objectif final de ce championnat, c'est-à-dire être champion de France. Ça serait le 11e titre pour les Parisiens, dans un match pas facile, parce que les Parisiens se sont quand même démenés pour pouvoir marquer ces 3 buts. Et c'est vrai qu'à 2-0, tu t'attends jamais à avoir une victoire facile. Quand ils sont revenus à 2-1, tu commences un petit peu aussi à avoir un petit peu peur psychologiquement pour pas avoir une désillusion. Mais on a su mettre ce troisième but qui nous a mis, je vais pas dire à l'abri, mais dans les derniers instants, qui met un coup de massue à cette équipe troyenne, même s'ils ont essayé de revenir dans cette fin de rencontre. Donc c'est bien une bonne performance pour les Parisiens. J'ai bien aimé collectivement, on a essayé d'être patient dans nos attaques et défensivement, ou même si on a eu quelques situations en notre défaveur, mais globalement dans la réaction pour pouvoir récupérer le ballon, on a été voilà, ça a été intéressant. C'est pas le plus grand des matchs, mais ça reste un match avec une victoire capitale pour les Parisiens. Un match sérieux de la part des Parisiens, offensivement et défensivement. Offensivement, on aurait aimé un peu plus de réalisme, mais bon,
3 buts. Au moins, ça assure la victoire. Et défensivement, malgré le but encaissé, c'est vrai qu'on a vu un très bon pressing défensif, une belle organisation de la part des Parisiens dans ce match. Et donc 3 points supplémentaires, ce qui met le Paris Saint-Germain à 6 points d'avance au classement. Je vous remonte le classement rapidement. 78 points pour les Parisiens, 72 pour les Lensois et 70 pour les Marseillais. Sachant qu'il ne reste plus que 4 rencontres maintenant. Et les 4 rencontres, on va y revenir tout de suite avec PSG Ajaccio dimanche prochain au Parc des Princes, avec Trippi et également avec Laure normalement pendant le match center. Ensuite, il y aura Auxerre Paris Saint-Germain, Strasbourg Paris Saint-Germain et on terminera par un PSG Clermont pour le dernier match de l'année au Parc des Princes. Voilà pour le programme. Merci Trippi d'avoir été présent pour ce match center. Merci à tous ceux qui sont sur le live, sur YouTube et sur Twitch. Merci d'être abonné. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, la chaîne YouTube et les autres réseaux sociaux du Paris Saint-Germain. On se retrouve très prochainement. Trippi, je te laisse le mot de la fin pour souhaiter une bonne fin de week-end, tout simplement. Écoute, bonne soirée à vous. Pour ceux qui font le pont, ben, profitez, hein, car on sait que demain, c'est férié. Et restez positifs et en avant pour ce 11e titre. Allez, merci Trippi. À très très vite, allez Ciao. Paris et à bientôt. Ciao.